Et salut tout le monde, c'est Jack B9 et on se retrouve une nouvelle fois sur la map Combine pour un spot qui plaira énormément aux trickshotters. Tout simplement, c'est un tout nouveau on top of the map, donc le dernier restant sur la carte. Il a été découvert tout récemment, il date à peine d'une semaine. Donc rappelez-vous, tous les autres ont été patch. Donc pour cela, on va devoir faire un courir contre le mur. Donc comme je le fais, arriver dans l'angle, un petit saut pour courir sur l'autre mur. Et là, il va falloir doser son jetpack au mieux. Donc moi, je vous conseille vraiment de rester pas plus de... Allez, je vais donner des millisecondes, vraiment, la moitié d'une seconde en gros sur votre joystick, ne pas mitrailler non plus, sinon ça va user trop vite tout votre jetpack, mais de rester à peine de temps appuyé sur croix ou A afin de réaliser sur un petit saut plané, mais qui vous donnera quand même une légère impulsion. Donc c'est quand même une petite prise en main, hein, mais après pour tous les trickshotters, je pense que ça va vraiment leur permettre de réaliser de très très beaux trickshots, car personnellement je trouve qu'il est même encore mieux que le premier, car il peut permettre de réaliser des suicides certes, mais là vraiment le spot est assez sympa, sachant qu'il y a un spawn tout proche. Enfin, il donne vraiment pas mal d'axes sur la carte. Faudra juste faire attention, voilà, ici, de pas trop s'avancer, sinon vous glisserez. Donc faites-le bien coller au mur, donc dans l'angle, au niveau de l'angle. Là au moins vous êtes sûr qu'en fait il y a un mur invisible. Donc si vous atterrissez bien dans l'angle, vous êtes sûr d'atterrir sur le ledge, bien que le ledge reste vraiment très très simple à atteindre. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu et vous fera plaisir. N'oubliez pas de venir me suivre sur Twitter et sur Facebook. Aussi de vous abonner pour plus de vidéos. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Jack B9 et sur ce, à plus tout le monde.